L'impertinente, parce que je pense que j'ai toujours osé, depuis mes débuts, et encore plus à mes débuts d'ailleurs, j'ai toujours osé faire des choses différentes. J'ai toujours voulu faire ce qui n'avait pas existé, et puis ce qui était drôle, ce qui était fort, ce qui était différent, ce qui était original. Bah, je pense que je me suis démarquée à une époque, si vous voulez, où c'était fin des années 60, tout début 70. Il n'y avait pas vraiment de mode junior. C'était très classique. On s'habillait, on sortait de la robe de petite fille, c'est-à-dire jupe bleu marine, soquette blanche, à la robe de dame. Le jean n'existait pas, on s'habillait pas en jean. Ils étaient pas, c'était pas arrivé encore des États-Unis. Donc, on avait envie, ma génération avait envie d'être différente. On avait toutes les filles avaient envie de pas être comme leur mère, tout simplement. Donc, j'ai commencé à faire des vêtements pour moi, pour m'habiller moi, de manière un peu extravagante, même très extravagante. Et puis voilà, ça a plu, donc j'en ai vendu. Quelques années plus tard, j'ai apporté les collants. Dans les années fin 70, début 80, les collants, ils étaient couleur chair. C'était pas du tout original. En fait, c'était pour être invisible sur la jambe. Et moi, j'avais envie de couleur. Alors, au début, dans mes défilés, dans les années 70, j'achetais des bas de religieuses en coton blanc que je teignais dans toutes les couleurs, en jaune, en orange, en vert, etc., pour mettre avec mes porte-jartelles. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de faire des collants. Donc, j'ai fait des collants en dentelle. C'était quelque chose qui était totalement nouveau, personne n'avait jamais fait ça. Et des collants opaques noirs brillants. Voilà, et c'est devenu une folie pendant quelques années, ça a été vraiment une folie en fait. J'ai relancé le collant fantaisie, voilà. Bah, la lingerie, c'est très particulier en fait. La lingerie, bon, maintenant il y a beaucoup plus de choix, il y a quand même énormément de marques, ça a beaucoup progressé par rapport à ma jeunesse. Mais je pense qu'il y a des femmes qui aiment la lingerie. Ça commence à 15-16 ans et c'est toute leur vie. Et qui sont relativement sophistiqués en lingerie, qui vont s'acheter des jolies matières, des choses chères et originales. Et il y a des femmes qui s'en fichent complètement parce que ça ne se voit pas. C'est sous les vêtements, ça ne se voit pas, donc elles préfèrent investir leur argent dans un sac à main ou des chaussures. Ça dépend des femmes. Et il y a des femmes très chic qui s'habillent par-dessus avec de la lingerie très cheap. Et il y a des femmes qui ont des petits moyens, qui vont s'habiller simple avec des choses pas chères, mais qui vont avoir une jolie lingerie, sophistiquée, raffinée.